Maseret Baba Kamma, résumé du daf Pe Alef. La Gemara nous dit ici 10 conditions a fait Yoshua avant de partager la terre d'Israël entre les tribus. Il a mis 10 conditions, en fait, des accords, que tout le monde soit d'accord et n'empêche pas les étrangers de profiter de leur champ dans ces conditions-là. Quelles sont les 10 conditions? Quels sont les 10 cas? La Gemara nous dit comme ça. Premièrement, que quelqu'un puisse, un étranger puisse faire paître ses animaux dans les forêts, même qui ne lui appartiennent pas, sans que le propriétaire de la forêt ne puisse s'opposer. Il s'agit, comme dit la Gemara, précise la Gemara, des bêtes de petit bétail dans une grosse forêt. Mais si c'est des petites bêtes dans une petite forêt ou des grosses bêtes dans une grosse forêt, c'est interdit. Et bien sûr, du gros bétail, donc des vaches dans des petites forêts, c'est interdit. Deuxièmement, on peut ramasser des bois, des champs. Et la Gemara dit, il s'agit de buissons qui n'ont pas encore été détachés de la terre par son propriétaire, qui ne sont pas secs non plus pour dire que son propriétaire il a l'intention de les garder pour en faire des feux, et que celui qui les ramasse, il ne les déracine pas. Donc dans ces conditions-là, on aura droit de prendre ces bois en question, de s'en servir. Troisièmement, on a droit de cueillir des herbes dans les champs, sauf dans des champs de tiltane, qui est une espèce qui a besoin de l'herbe, et donc, de là-bas, on n'a pas le droit de prendre les herbes. Mais dans les autres récoltes, on a le droit de prendre les herbes. La Gemara donne quelques précisions en ce qui concerne le tiltane. Quand est-ce que c'est permis? Quand est-ce que c'est interdit? Ça dépend s'il l'a fait pour le ressemer ou pour le manger, pour les hommes ou pour les animaux. Et donc, il y a certains cas qui rentrent dans cette takana du Yoshua où il serait plutôt, dans certains cas, on aura le droit de prendre les herbes même de tiltane. Dans d'autres, on n'aura pas le droit de prendre les herbes de jardin de tiltane. Quatrième takana. Yoshua a institué qu'on puisse se servir des branches, des arbres de n'importe qui. Je peux venir couper une branche de son arbre pour le replanter ailleurs, pour installer à Israël. Il a permis cette chose-là. Sauf d'un olivier qui a déjà été coupé par son propriétaire et qui en a laissé que peu, deux poignées à la base. Et là-bas, c'est un peu sensible ou même très sensible et donc on n'a rien le droit de prendre de ce qui va pousser de là. Cinquième takana, une source qui sort d'un champ. Les gens de la ville ont le droit de s'en servir sans même, comme conclut la Gemara, payer à son propriétaire sans qu'il puisse les empêcher. Sixième takana, dans la mer de Tveria, on a le droit de pêcher des poissons, pourvu de ne pas mettre là-bas des barrières de roseaux pour attraper les poissons, puisque ça risque de retenir les bateaux. Septième takana, on a le droit de faire ses besoins derrière les barrières, comme dira la Gemara, de prendre même une pierre, un petit caillou de la barrière pour s'essuyer. Même si c'est un jardin d'une épice importante comme le carcom, comme dit la Gemara. Huitième takana, on marche, on traverse les champs en été, après la cueillette, jusqu'aux deuxièmes pluies, où là ça abîme les champs. La Gemara dit encore une takana, c'est que on se retire des chemins quand la boue a durci en été. Elle prend des formes désagréables, c'est-à-dire c'est difficile de marcher là-bas. Et donc on peut se retirer du chemin, des sentiers pour marcher même sur les champs même en hiver. Et le propriétaire du champ ne peut pas empêcher les gens. Encore une takana, celui qui s'est perdu dans les vignes aura le droit, lui ou quelqu'un d'autre pour le ramener sur le chemin, de couper les branches pour sortir de là. Et enfin, met mitzvah, un mort qui est mort en chemin, on l'enterre sur place. Il a acquis sa place, sauf, dit la Gemara, dans le cas où il traverse le sentier, et que là, donc, les gens, on ne pourra pas l'enterrer comme ça, tel quel, parce que ça va entamer tous ceux qui passent ici. Dans ce cas-là, on le met de côté, et là-bas, il y a quelqu'un à la chotte en disant, voilà, si il y a un champ à droite, un champ à gauche, alors il choisira le champ qui va causer le moins de dommages. Donc s'il y en a un qui est semé ou labouré, ou donc un champ qui est un champ vide et un champ labouré, il mettra dans le champ vide un labouré et un semé, il mettra dans le labouré et pas de celui qui était semé aussi. Mais si les deux sont égaux, il fait ce qu'il veut. Et donc la Gemara revient ici à donner des précisions
sur chacune de ces takanot, certaines qu'on a déjà citées, et encore d'autres, comme par exemple, quand est-ce que, dans quelles conditions on peut prendre des branches d'un arbre pour les replanter ailleurs, d'où exactement de l'arbre on peut les prendre, de manière à ce que le propriétaire ne soit pas trop endommagé. La Guémara dit encore en ce qui concerne la mère de Tevéria, la Guémara dit là-dessus, en réalité chacune des tribus a reçu toutes sortes de terrains, des terrains de montagne, des vallées, des plaines, tout ce qu'il faut. Dans chaque tribu, il y a de tout. Et c'est Naphtali qui a reçu la mère de Tevéria, mais comme on a dit, n'importe qui a le droit de venir et pêcher là-bas des poissons pourvu de ne pas empêcher les bateaux. La Guémara dit encore, quand ils ont conquis la terre, tout ce qui était attaché à la terre appartient à la tribu qui va recevoir qui a reçu ce terrain-là. Mais tout ce qui était trouvé, qui est détaché de la terre, eh bien, ça fait partie du butin, qui n'appartient pas forcément à la tribu qui a reçu ce terrain-là. La Guémara demande, mais comment tu me dis qu'il y avait 10 takanot alors qu'on en est arrivé à 11? Et la Guémara dit, en fait, il y a une de ces takanot-là qui n'est pas de Yoshua, qui est de Shlomo Ameler. La takana de dire qu'on peut traverser les champs en été quand ça ne dérange plus le propriétaire, ça, on apprend d'un pasouk de Michelet, donc ça vient de Shlomo Ameler, et pas de Yoshua. Le pasouk dirait, ne t'empêche pas de faire du bien à celui qui le mérite, à quelqu'un qui pourrait profiter de toi, quand tu en as les moyens de le faire. Et donc ici, c'est justement le cas. Parce qu'une fois qu'il a déjà récolté son champ, il n'a plus de raison d'empêcher les gens de rentrer chez lui, traverser son champ en été. Donc ça, c'est une takana de Shlomo Ameler que de permettre aux gens de traverser son champ en été.